Géométrie, les carrés, deuxième partie, nous attaquons aujourd'hui le tracé. Comment tracer un carré ABCD dont les côtés mesurent 5 cm? Pour commencer, nous allons tracer une droite. Puis, nous allons tracer une droite perpendiculaire à cette droite. Le point d'intersection de ces deux droites sera notre premier sommet, autrement dit A. Puis, nous allons mesurer sur les deux droites 5 cm. Nous placerons nos points B et D. Il nous reste à placer le point C. Pour cela, nous allons utiliser le compas. Nous prenons la distance de A à B et nous la reportons deux fois, une fois pour le côté BC et une fois pour le côté DC. L'intersection entre les deux arcs de cercle est donc le point C. Il ne nous reste plus qu'à tracer le carré A, B, C, D. Nous avons bien des angles droits et des côtés égaux de 5 cm.